Dis-nous, courant son cours, animation 2D. Donc, ça veut dire, nous allons aller dans la question 3D. Et ça fait nous préciser 2D. Ça veut dire deux dimensions. Hauteur, longueur et largeur. Oui, 3D qui va venir après, mais au moins, il faut que vous ayez une idée de type d'animation, ça, pour capable connaître, pour capable aller plus loin. Donc, ça veut dire, c'est illustration plat. Donc, ça veut dire, illustration, nous voilà animer, il n'y a pas de volume, il n'y a pas forcément de volume. Donc, c'est illustration de deux. Première partie qu'on a déjà faite, c'était illustration, après nous faire illustration. Parce que nous avons c'est souci en ça. Il y a des qui sont spécialisés en animation, c'est des animateurs. Mais pour autant, il n'y a pas qu'à faire conception, illustration que nous-mêmes nous apprenons à faire. Elle dit, mais là, obligé de sous-traiter le travail lien pour le bail, on le fait animation. Et puis lui-même, pour lui, fait animation. On fait illustration, lui-même, il fait animation. Donc, nous disons, illustration, animation, c'est une illusion de mouvement. Donc, c'est plusieurs images, vous mettez, qui fait des séquences. Donc, chaque seconde, il y a une quantité d'images qui passent. Ça qui arrive, c'est 10 images par seconde, ça qui arrive, c'est 30 images par seconde, ça qui arrive. Elle dit non, seconde, il y a plusieurs images qui sont passées en mouvement continu. Donc, c'est ça qui est une bonne illusion de mouvement. C'est ça qui est une bonne illusion de mouvement. Donc, chaque image fixée en cadre. OK. Image animée, hein? Nous sommes dit, il est capable de n'importe qui ça. Ça capable d'arriver, c'est on fait un cap tomber, par exemple. Ça qui arrive tout, c'est un long métrage. Tant qu'on était regardé le Roi Lion, nous avons regardé Titeuf, nous avons regardé Tom and Jerry, nous avons regardé Shrek, nous avons regardé Cendrillon. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et c'est des exemples d'animation. Donc, ça, tout, c'est une animation. Donc, animation, il faut toujours raconter une histoire. Ou bon koto sorti, ou bon koto bralé. Nous comprenons des matchs ça. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'animation. Mais bien avant, on est capable de dire non. On est capable d'utiliser n'importe qui ça pour faire l'animation. Il y a des gens qui utilisent crayon. Crayon là, on connaît. Hein? On a prouvé sur ça rapidement. Il y a des gens qui utilisent sable. Il y a des gens qui sont capables d'utiliser n'importe qui objet. Il y a des gens qui utilisent fuit. Ou capable d'utiliser n'importe qui ça pour faire des animations. OK? Donc, un film d'animation, il est capable de faire en quelques secondes, même j'ai tout le capable de faire en quelques minutes ou bien arriver dans quelques heures même. Donc, ça va dépendre du type de projet que vous avez. Donc, il y a plusieurs types d'animation, plusieurs catégories d'animation. Il y a stop motion, il y a animation 2D, il y a animation 3D. Donc, pour stop motion, non? Donc, après la présentation, ça, où il dit bien pour faire une séance sur causer stop motion là, ensemble avec moi. Qui ça stop motion là, le dit? Première fois, on a débattu ça, stop motion. Ok, qui ça le? Qui ça stop motion là? En nous on regarde et. Pengou des pingouins? Non. Ok. Qui t'aime faire Noël? Et puis, après, nous finissons de garder ça, nous avons dit que ça nous pensait de stop motion.
Qui ça nous comprend jusqu'à présent? Je pense que nous gardons assez. Qui ça nous comprend de stop motion là, pour nous partir de ça nous regarder là? Qui ça nous comprend? Ok, stop motion là, c'est une catégorie d'animation côté qui est utilisée des objets inanimés. Et puis, chaque objet inanimé, ça, vous capturez, par exemple, si vous prenez des fruits, par exemple. Par exemple, dans cette garde là, c'est argile. Vous utilisez argile pour faire ça. Vous modelez argile d'une façon, vous déposez, vous cliquez, vous prenez photo. Vous déplacez, vous prenez photo. Bref, chaque mouvement, vous voulez. Point vous faire par exemple, vous déplacez d'un coup et puis vous faites photo. Vous faites photo, vous capturez et puis vous mettez toutes photos ça ensemble qui va une bonne carte. Nous sommes à parler de lien et pour bon quantité d'images par seconde et qui bon illusion de mouvement que nous sommes à parler là. On regarde pour nous voir comment vous faites et stop motion qui a un rapport à ça nous regarder. Donc ça c'est plein bon, c'est abgradé. Donc c'est des objets inanimés. Donc des pâtes à modeler, ils utilisent pour faire bec, par exemple. Voilà. Et bien à chaque fois, ils arrivent en côté pour déplacer, pour pied, par exemple, en pied levé, pour ils capturent, ils font première photo. Donc ça c'est l'autre pied qui levé, clos, ils font l'autre prise de vue. Noël. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu de patience ça. Pour faire chaque ça. Oui, il faut démarcher dans la tête, bien sûr. Voilà. Well, donc, ça, c'est photo que vous prenez. Donc, par exemple, argile, c'est un matériel qui est très populaire utilisé dans la cause stop motion. Donc, stop motion, c'est. Il y a une catégorie ancienne, longtemps, qui était utilisée dans la question. Donc, ça, c'est côté à faire prise de voile. Donc, c'est ce qui a joué Wall Penguin. Donc, il y a plusieurs films et plusieurs animations qui ont fait en question stop motion. Par exemple, il y a les aventures du prince Ahmed. Nous allons regarder. Les aventures du prince Ahmed. Alors, ça, c'est un exemple. Tout à l'heure, ma privée sur l'aventure là. Ça, c'est un autre exemple de stop motion. Ça, c'est des argiles, même si elle a fait son comme ça. C'est un argile.
Donc, ce sont des argiles. Ça, c'est montrer à montrer une bonne idée de comment on fait l'eau est tombée. Donc, il y a plusieurs autres exemples. Je me suis dit non, de réalisation de faire stop motion. Ça, c'est stop motion qui va être avec papier. Papier. Oui, donc c'est des publicités, c'est stop motion, ça aussi stop motion. Voilà, on voit, mais l'autre exemple, c'est avec des fruits. Ça lui-même, c'est dessin, crayon. Donc, c'est des dessins. Ça, c'est un exemple de film de encore stop motion. Toujours avec papier. Comment c'est pour un plaisir de nous garder dessin animé, toi, hein? Si nous avons animation, il faut que nous apprenions à garder dessin animé. Parce que nous oui, et pas le même géant, bien sûr, et pas le même regard. C'est moi l'autre exemple. Donc voilà, ça c'est les aventures du prince Ahmed. Ça, c'est le dernier exemple de stop motion qui m'a banné. Donc, au moins, nous, ouais, qui ça stop motion là? Qui ça me dit ça de stop motion là encore? Yes, c'est des objets inanimés. Et puis, les pour réaliser, nous faire des prises de photos. Et puis, qui viennent bon, illusion de mouvement. Donc, tout ça, c'est des objets inanimés. Et puis, ils photographient. Et puis,
et à la suite et une et vindelle. Donc ça c'est première catégorie animation game. L'autre catégorie c'est l'animation 2D. Animation 2D, c'est qui ça? Yo même, yo pas utilisé argile l'autre et ça nous connaît. Yo même yo utilisé en bio les celluloïdes. Celluloïdes là c'est un con papier calque, je ne connais pas papier qui est transparent. Et puis on fait dessin au sol. Alors c'est deux catégories d'animation 2D qui gagne qui fait avec celluloïdes là ou bien le cellulo. OK, par exemple, mais en exemple, et que fait dessin au sol des celluloïdes. On regarde pour nous si pas gagne des exemples de films d'animation 2D qui fait sur celluloïdes. Ça, c'est un exemple vivant d'animation 2D qui est utilisé cellulo que nous avons montré là pour le faire. Même bagarre. Donc c'est ensemble de celluloïdes qui va l'enchaîner une de l'autre qui va le venir bon qui va le venir bon et cette animation ça. Donc ça c'est une catégorie qui va utiliser ordinateur ou même il utilise celluloïdes faire dessin yo. Nous avons un ordinateur. Donc, faire dessin l'un après l'autre. Mais quand on a pris une technologie, on va utiliser l'ordinateur pour. On va utiliser l'ordinateur après pour faire. Ça, tu veux. Tout à l'heure, ordinateur pour la donne. Qui veut en fait, lorsqu'on fait photo, ou capable de faire une caméra qui est un caméscope. Qu'on a passé image, le bon monde a passé image, le bon impression, on va faire un caméscope, le bon impression de mouvement, il y a un monde qui est là, comme si la cuisine là, il a passé image, il a mis image, et puis l'image a projeté. Vous comprenez? Ça, c'est 2D toujours. Oui, 2D. Tout exemple, la autre là, jusqu'à présent, nous avons 2D. C'est lui-là. Mais là, yo va commencer à utiliser technologie. Yo va commencer à utiliser technologie, hein? Ça veut dire informatique. Qu'on y a offert des choses qu'il doit faire sur papier, ou bien qu'il faire sur ordinateur tout. Et puis qu'on y a élevé ça pour avoir une connaissance des logiciels d'animation pour faire. Ouais. Donc, mais on l'autre exemple encore, ça c'est ordinateur qui fait ça. Mais c'est toujours dans la catégorie animation DD qui est générée par ordinateur. Donc, il y a même fait des croquis sur ordinateur, soit avec une tablette graphique ou bien avec un logiciel. Et puis, il y a utilisé des logiciels d'animation et puis il y a fait animation ça. Mais l'autre exemple encore. Tout ça, c'est toujours des exemples d'animation 2D qui utilise ordinateur. Donc ça encore, c'est... toujours animation 2D qui utilise... technologie informatique là. Oui.
Donc, je me dis, non, le fait que vous venez utiliser désormais la technologie informatique là, mais c'est la naissance logicielle d'animation qui va commencer pour la naissance. Donc, par exemple, quel logiciel vous utilisez pour faire animation 2D? Nous va connaître quel logiciel, quel logiciel que vous utilisez pour faire animation 2D? Oui, After Effects, c'est là-dedans. Il y a Animate, il y a OpenToons, il y a Pencil 2D, Stop Motion, Studio lui-même, c'est pour faire Stop Motion. Il y a Toon Boom, et puis il y a After Effects, et j'en ai sorti un là. Donc, ça clair pour nous jusqu'à présent. OK. Maintenant, l'animation 3D, parce que nous avons trois catégories, il y a stop motion, il y a animation 2D et puis il y a animation 3D. Donc, animation 3D elle-même, elle utilise profondeur. Animation 2D, elle utilise hauteur, largeur. Ça veut dire image là, illustration, elle est plate. Elle n'a pas de profondeur, ou pas capable de virer pour être devant, derrière. Ou même en bio, presque ou pas. Mais l'animation 3D, il va utiliser un troisième axe, qui c'est la profondeur. Donc c'est ça. Donc ça, illustration, tu fais, il va venir volume. Donc tu fais une illustration qui est plate, et bien il y a une fois qu'il y a un volume, tant que ça, on connaît l'extrudio par exemple, et bien là, ça va tomber dans 3D. OK. Quel logiciel est utilisé pour faire animation 3D, c'est par exemple Autodesk 3D, bien Autodesk, bien Maya, 3DX Max, mais il y a très gourmand en ressources informatiques. C'est-à-dire, soit tu utilises sur ordinateur, d'ailleurs, l'on va acheter le tout, l'on va acheter le logiciel ça, puisque va gratis. Et je crois que là-dedans, qui vient en location même avec Adobe. Ok, longtemps c'est acheter ou acheter, mais qu'on y a la même chose avec Adobe, ou Calumet, mais il y a tout, mais qui. Et quel type de système d'exploitation de gagner, mais qui carte graphique ou de gagner. Donc, il y a bon caractéristique ordinateur là, de gagner pour être capable de marcher sur lui. Parce qu'il est très très gourmand en ressources informatiques. Ça, c'est. Il y a un exemple d'animation 3D. Nous comprenons sa histoire. Donc nous comprenons ça qui passe. Ok. Donc, je... Oui, il va tirer les sons. Donc, et pas de questions jusqu'à présent. Ça va? Bon, reste barrio, c'est pour le prochain cours. Prochain cours, nous allons voir. Prochain cours, on voit qui s'appelle notre ouais. Ça, c'est pas que nous toujours gagnons à Babine avec notre ouais, non? Ok, dans le prochain cours, on me semble que nous pourrions parler de l'offre faire une animation qui différentes étapes pour suivre. Des productions, des post-productions. Nous allons voir que différentes étapes pour suivre. Nos processus d'animation. Et le troisième point, les 12 principes de l'animation. Après ça, dans l'autre point, on va voir une série de thèmes qui sont utilisés dans l'animation. Les abdios pour ne pas égarer, pour ne comprendre ça, vous voulez dire. Vous comprenez? Nous suivons, nous comprenons. Donc, les abdios wash, pour ne comprendre qui ça veut dire, R-E-S-H. Clé d'animation, vous comprenez ça, vous l'avez dit. Donc, même, j'aime ce parler des cadres là. Il y a des storyboard, pour nous comprendre ça, vous l'avez dit. Il y a des layout, pour nous comprendre ça, vous l'avez dit. Donc, c'est une série de thématiques. Bah, c'est au fur et à mesure.
n'a toujours gen ti parti théorique ça ou dans courant et mêlé avec et un aspect pratique. Donc nous dit nous clair pas vrai. Donc ça c'était parti théorique.